JPT ou site Speak, quel est le meilleur outil, la meilleure plateforme pour la création de chatbots? C'est ce que nous allons essayer de, de faire et de voir dans cette vidéo. Et en plus de cela, je vais vous montrer dans cette vidéo, pas à pas, comment vous pouvez intégrer les réseaux sociaux, comment vous pouvez... Intégrer votre chatbot sur les réseaux sociaux comme Messenger, WhatsApp et euh, Telegram et autres. Dans cette vidéo, je vais prendre un exemple, un cas. Je vais prendre le, le cas de Messenger et on va intégrer, on va créer le chatbot ensemble et on va intégrer ça sur. Euh, je vais intégrer ça sur mon mon Messenger. Vous allez voir, c'est très facile avec ce site. Donc, je, vous, je vous parle très longtemps sur cette chaîne. Alors donc sur le site uh, Speak, c'est le nom du site Speak, euh, je vous ai déjà montré comment vous pouvez créer facilement votre chatbot euh, en envoyant justement aussi les liens euh, le lien de votre site sur euh, à ce site. Lorsque vous envoyez le lien, euh, le lien principal de votre site, vous envoyez. Alors donc le site est en mesure d'explorer tout et de prendre tout le contenu de votre euh, site web et de d'uploader tous les liens du site. Dans ce cas, nous allons prendre l'exemple de de système io, système io. Si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme de business qui offre plusieurs services comme euh, des tunnels de vente, des euh, campagnes mail. Vous pouvez aussi créer des sites. Uh, vous avez aussi des programmes d'affiliation. Uh, vous, vous pouvez aussi vendre, vendre vos formations et vous pouvez aussi automatiser uh, pas mal de choses avec uh, ce, ce site, cette plateforme système IO. Alors, donc, si vous ne savez pas de quoi il s'agit jusque-là, je mettrai dans la description uh, le lien qui va vous amener dans une formation uh, totale vous pouvez maîtriser, vous, vous allez maîtriser totalement le système en quelques, euh, en 28 vidéos gratuites, vous allez maîtriser totalement le système Donc, le lien est dans la description. Alors, donc, j'ai déjà créé ce chatbot. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore, un petit rappel, euh, comment vous pouvez uploader euh, euh, le lien sur votre chatbot. Donc, il suffit simplement de euh, de copier, de prendre votre lien, le lien principal de, de votre site web. C'est fini. Donc, quand vous venez ici, vous ajoutez euh, un lien, vous avez la possibilité d'ajouter euh, le lien du site euh, web. Vous, vous pouvez ajouter aussi plusieurs autres liens. Vous pouvez ajouter euh, des documents. Vous pouvez aussi ajouter, vous pouvez aussi euh, envoyer des, euh, des PDF, des livres. Vous pouvez aussi euh, envoyer des audios, euh, le, le lien, sinon les liens de vidéos YouTube, euh, des applications. Vous pouvez euh, former votre chatbot euh, avec euh, pas mal de possibilités. Donc, si vous, vous allez par exemple envoyer ce lien, vous cliquez sur le lien et là vous allez en bas et c'est comme ça que vous allez, il peut dire non, il y a plusieurs possibilités de, de former, de rendre votre chatbot intelligent. Donc, euh, j'en parle très fréquemment sur euh, cette chaîne. Donc, je vous mettrai dans la description le lien pour aller consulter les autres vidéos. Donc, c'est comme ça, vous allez ajouter et lorsque vous, vous ajoutez, vous allez sélectionner et euh, justement aussi les, les, les euh, liens. Et donc, vous pouvez ajouter aussi euh, les vidéos, le lien des vidéos, voilà donc pour que le chatbot vous envoie, en tout cas, euh, vous envoie, envoie fréquemment aussi les liens de certaines vidéos qui vont vous permettre aussi de, de mieux comprendre. Euh, donc, si vous avez des vidéos qui parlent, qui, qui, qui forment, donc, qui traitent le sujet euh, dont vous voulez former votre chatbot, vous pouvez aussi envoyer les vidéos. Donc, vous voyez qu'ici déjà, près de 109 liens, 109 liens. Euh, il peut descendre le lien déjà formé euh, déjà avec euh, ce bot que j'ai créé euh, pour système yo à titre d'exemple pour vous montrer cette vidéo donc c'est comme ça que vous pouvez euh, former votre chatbot et lorsque vous formez votre chatbot euh, pour tester justement vous allez cliquer sur euh, l'icône que vous voyez en haut téléchargement donc c'est ce lien que vous allez partager avec euh, euh, vos visiteurs ou avec celui euh, avec votre client donc euh, si vous voulez euh, intégrer ça sur les sites vous allez copier ce lien euh, le, le, le code javascript donc c'est ça que vous allez vous allez copier alors donc dans ce cas nous allons d'abord tester et justement pour tester euh, nous allons cliquer sur partager et copier ce lien je mettrai aussi le, ce lien dans la description pour que vous puissiez aussi aller tester euh, le chatbot. Alors, donc, vous voyez, et donc, lorsque nous envoyons, nous, nous allons dans la base de recherche, vous voyez, donc, ce chatbot est bien évidemment formé sur les informations sur le système .io. Et donc, vous pouvez interagir, vous pouvez poser directement des questions sur sur chatbot donc ça va vous répondre correctement avec des instructions et avec les liens euh, du site Alors, donc si vous créez votre site euh, pour faire l'affiliation ou pour euh, ou toute autre chose ouais, donc ça vous envoie directement avec euh, ça vous envoie directement les liens, les liens et ces liens ne sont pas seulement les liens qu'il a trouvé sur internet ce sont les liens qui sont sur votre site c'est ça la différence c'est ça qui fait la différence entre ce site et GPTZ. GPTZ peut-être peut vous envoyer les liens qu'il trouve de part et d'autre sur Internet, alors que avec avec site Speak, ce site sur lequel nous sommes ici, donc vous avez vous avez justement le lien qui sont sur vos sites. Imaginez si vous formez vous avez un chatbot sur votre site et qui vous envoie les liens euh, qui amènent les visiteurs sur autre site. Donc imaginez en quoi ce bouton est utile. Donc c'est la différence euh, de ce site ça. Et donc la différence entre ce site et, et GPTs. D'abord il faut comprendre que GPTs Lorsque vous formez GPTs, vous formez votre chatbot avec Jupyter. GPT's, euh, GPTs peut, si vous êtes, vous avez euh, activé euh, les le sites web, GPTIS peut vous envoyer sur euh, certains sites, mais la différence est que GPTIS ne peut pas vous envoyer euh, les liens de votre site, parce que euh, GPTIS n'est pas, euh, je, avec ce que je constate, je vois qu'on euh, n'a pas la possibilité d'envoyer les liens, d'envoyer les liens des sites sur GPTIS, comment on peut le faire avec ce que nous venons de voir, donc on n'a pas cette possibilité avec euh, euh, si, avec euh, GPTs et donc si euh, je me trompe, alors donc je vous dis, je vous euh, demande de me dire dans le commentaire. Alors autre chose, si vous n'êtes pas abonné à à GPT Plus, c'est-à-dire à GPT4, vous ne pouvez pas y accéder à GPTs. Alors que, à l'heure où nous sommes, euh, vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez plus la possibilité, n'est-ce pas, de vous abonner à, GPT, euh, à, à GPT, euh, point quatre, euh, parce que euh, euh, c'est euh, suspendu. Euh, hier, depuis euh, quelques euh, semaines où j'ai entendu parler de GPT, je voulais relancer mon abonnement avec JPTI.4. Euh, euh, Alors donc, vous voyez que ça me met toujours en attente. Donc jusque-là, je n'ai pas encore accédé à mon abonnement GPT.4 pour pouvoir tester Et... GPT. Et encore autre chose, si quelqu'un euh, a formé son, son bot avec GPT, il vous envoie le lien de test. Si vous n'êtes pas aussi abonné avec GPT.4, vous ne pouvez pas tester. Voyez? Dans ce cas, par exemple, c'est le chat de quelqu'un de ludo quelqu que j'ai pris pour voir faire l'essai mais j'ai compris que ça m'impose forcément encore de de, de s'abonner à GPT plus avant de tester voilà donc c'est les nuances donc ça veut dire que vous ne pouvez pas non plus faire euh, ce business avec euh, GPT et et vendre à quelqu'un d'autre qui n'a pas fait l'abonnement euh, GPT vous voyez donc GPT plus si la personne n'a pas fait l'abonnement, GPT plus. Donc, vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas la possibilité, n'est-ce pas, de, euh, de de vendre votre chatbot. Donc, alors que euh, le site que nous venons de, de voir, GPT, Site uh, uh, Speak, uh, vous n'avez pas besoin de faire l'abonnement avant de vous, la personne n'a pas besoin de faire l'abonnement avant de tester. Donc, c'est pourquoi je vous mettrai dans la description le lien pour que vous puissiez aussi aller tester. Alors, donc. Uh, et avec ce site donc et lorsque nous revenons avec notre chatbot que nous sommes en train d'étudier avec le chatbot que nous avons ici devant vous sur système yo nous allons maintenant à présent voir comment vous pouvez et vous pouvez intégrer ce chatbot sur les sites internet sur vos sites web alors pour intégrer les chatbots de, de, de former avec CitySpeak uh, sur le site web et c'est très facile. Je vais vous montrer maintenant comment vous allez faire. Il suffit seulement d'aller euh, dans euh, l'entête de votre euh, site web. Donc lorsque je viens sur ce site web que ce blog que j'ai créé euh, pour euh, l'affiliation il y a de cela quelques euh, mois. Donc, je vais, à titre d'exemple, prendre ce site et vous montrer comment vous pouvez intégrer le chatbot sur ce site. Alors, donc, nous allons cliquer ici. Alors, donc, pour, pour euh, aller. Euh, au niveau de len de votre de votre site web que euh, vous avez à votre disposition et sur len nous avons nous allons eh, envoyer le code HTML voilà donc nous allons, nous allons envoyer le code HTML de notre euh, chatbot Alors, donc pour cela nous allons glisser déposer code HTML ici et lorsque nous envoyons et à ce niveau, nous allons revenir sur notre chatbot et maintenant et aller sur le code JavaScript qui est ici. Et c'est ce code que nous allons copier. Nous allons copier ce code. Et lorsque nous copions ce code, nous allons évidemment revenir ici sur notre site web et cliquer sur modifier le code. Et c'est à ce niveau que nous allons justement... Voilà, donc, coller notre code, le code que nous avons copié sur le, euh, le code javascript de notre chatbot. Nous allons copier, nous allons coller ça ici et nous allons enregistrer. Et donc, c'est tout. Lorsque nous, nous finissons avec ça, vous voyez, en bas ici, lorsque nous venons en bas, totalement en bas, et à droite, vous avez vu que chatbot est bien là. Donc, l'icône de notre chatbot est là. Donc, vous pouvez maintenant poser votre question. À votre chatbot et il va vous répondre correctement. Voilà, donc lorsque je, je lui pose par exemple une question, lorsque je lui pose par exemple une question, donc le chatbot est à mesure à ce niveau maintenant euh, de me répondre correctement. Et donc c'est comme ça que vous pouvez intégrer les chatbot créé avec CitizenSpeaker. C'est comme ça que vous pouvez intégrer ces chatbots sur vos sites internet. Voilà, donc c'est comme ça que euh, nous pouvons euh, aller euh, et interagir. Donc, on peut poser toute, toute, toute une toute question que nous voulons, nous pouvons euh, poser à notre chatbot. Maintenant, nous allons voir comment nous pouvons intégrer. Les chatbots aussi sur les réseaux sociaux, comme euh, le cas de Messenger, WhatsApp et autres. Comment nous pouvons aussi intégrer ces chatbots sur les, les réseaux sociaux? Alors, pour intégrer les chatbots sur les réseaux sociaux, nous allons revenir évidemment encore ici et à ce niveau, nous allons aller directement en bas de, de site en bas de site speak et nous allons aller ici voilà donc ajouter de l'intégration Zapier ajouter de l'intégration Zapier pour ceux qui ne savent pas Zapier c'est ça qui va nous permettre euh, de, de connecter n'importe quel réseau social avec notre chatbot. Lorsque nous venons ici, vous voyez que nous avons la possibilité euh, de connecter notre chatbot euh, avec euh, notre euh, compte GBI. Vous pouvez euh, connecter votre chatbot à votre messagerie. Euh, vous pouvez connecter votre chatbot avec euh, Messenger. Nous allons revenir sur le cas de Messenger, de ça. Ce cas que nous allons étudier ici vous pouvez créer du Discord avec euh, votre chatbot, créer un canal Discord avec votre chatbot, vous voyez donc vous pouvez euh, aussi euh, créer du canal microscope, vous pouvez aussi et, euh, créer pas mal de choses, il y a aussi WhatsApp et beaucoup de choses, il y a aussi euh, beaucoup de choses qui sont aussi en cours donc si euh, nous consultons la liste nous allons prendre le cas de de messenger mais avant cela je voudrais vous rappeler que avant de euh, de connecter avant d'intégrer votre chatbot sur les réseaux sociaux pour les sites web ça là c'est pas c'est simple on n'a pas besoin de l'abonnement mais pour pour les réseaux sociaux, vous avez besoin de l'abonnement. Avez besoin de l'abonnement, soit euh, au, au moins l'abonnement de 60 dollars le mois. Voilà, donc vous, avez, vous, vous devez prendre ce, ce l'abonnement lab, qui est voilà donc à 60 euros et dollars le mois. Si vous prenez l'abonnement à 30 dollars le mois, vous n'avez pas la possibilité euh, d'intégrer Zapier avec euh, euh, votre Chatbot, donc alors que à partir de 60 dollars, vous pouvez interagir avec sa pierre et aussi vous avez la possibilité de créer euh, au moins deux chatbots, je crois. Et moi je suis à l'abonnement 500 dollars, donc si vous voulez, je peux vous aider parce que moi je suis à l'abonnement euh, illimité. Alors, donc je peux vous aider à créer votre chatbot et facilement. Donc, si vous en voulez, faites-moi savoir dans le commentaire. Alors lorsque je clique sur euh, euh, intégration avec Messenger, ça nous conduit ici directement sur le compte Zapier. Si vous n'avez pas encore un compte, vous allez créer. Moi, j'ai déjà un compte Zapier, donc c'est pourquoi euh, ça m'amène directement ici. Si vous n'avez pas un compte, lorsque vous cliquez sur euh, euh, Messenger, par exemple, ça va vous amener sur un compte Zapier. Vous allez juste renseigner votre adresse mail et créer votre compte. Et là, lorsque vous êtes ici, sur Zapier, vous avez trois étapes. La première étape, c'est d'envoyer de, de, un nouveau message euh, via votre page Facebook Messenger. Et deuxième étape, vous voyez ici, c'est d'envoyer euh, une requête dans CitySpeak, c'est-à-dire le site sur lequel nous avons créé notre chatbot. Et la troisième étape, maintenant, consiste maintenant envoyer un message euh, via votre page et qui va maintenant interagir directement euh, avec euh, euh, le site. Maintenant, si nous, nous cliquons sur conne connexion et que nous continuons, vous voyez ça directement, ça m'amène sur ma page Facebook. Et à ce niveau, nous allons commencer avec la première étape. On nous, a, on nous dit ici de, de juste créer un message. Donc, je vais juste créer un message. Euh, un message de bienvenue. Donc, je dis bien bonjour. Comment, comment puis-je vous aider? Je vais cliquer je sur continuer. Voilà. Donc, je suis en train de, de remplir la première étape. Mais avant de continuer la première étape, je vais aller d'abord sur la deuxième étape. Euh, peu importe, on peut. On peut on n'est pas obligé d'aller étape par étape donc je vais d'abord finir avec la deuxième étape d'abord je vous dirai pourquoi euh, je, je, je fais de, de de finir d'abord vers la deuxième étape euh, lorsque je continue donc la deuxième étape je vous ai dit que c'est pour connecter votre contre site explique à à Zapier. donc c'est ce que nous sommes en train de faire ici et en bas, en haut, c'est juste encore un message. Et en bas, vous allez coller votre clé API. Votre clé API se trouve évidemment sur votre compte Sitespeak, euh, le compte sur lequel vous avez, vous avez créé votre chatbot. Donc, c'est sur, sur notre chatbot que nous allons aller pour, pour trouver notre clé API. Et c'est euh, cette clé API. Se trouve justement ici. Lorsque nous venons ici, nous allons cliquer sur notre profil et sur notre profil, nous allons aller sur voilà donc API et ici nous allons juste uh, donner le nom de API et en bas nous allons cliquer sur créer voilà donc créer API. Lorsque nous créons, nous cliquons sur créer API. Voilà donc c'est notre uh, numéro app uh, uh, de passe ou bien le numéro API donc je vais copier copier d'abord avant de de cliquer sur OK donc j'ai copié lorsque vous cliquez sur OK j'ai copié donc ça va fermer la page vous allez maintenant aller sur Zapier euh, pour coller ce, ce ce code donc que j'ai déjà fait alors donc on va continuer vous voyez une fois que vous collez le code API vous voyez que euh, si Speaker est affiché là, donc nous allons continuer. Nous allons continuer du moins lorsque nous, nous continuons et ici en haut. Il est primordial de de comprendre que vous devez euh, donc dans ce cas vous devez à, à ce niveau coller euh, l'adresse id, l'adresse voilà, id de votre chatbot, l'adresse id du chatbot se trouve évidemment sur toujours sur le euh, notre chatbot. Nous allons revenir ici et euh, aller sur paramètres et sur paramètres. L'adresse id du chatbot, c'est ça qui est ici, c'est ça qui qui se trouve ici, donc nous allons justement à ce niveau euh, copier euh, cette adresse ID et l'adresse ID étant copiée, étant copiée, nous allons maintenant aller ici. Euh, voilà, donc et copier et, et coller l'adresse ID là à ce niveau. Voilà, une fois l'adresse ID est, est collée, donc nous allons, nous allons continuer. Voilà donc, Et je crois ici nous allons justement encore renseigner un message, Donc, le, le message de, de bienvenue qui. Donc je peux, je vais, je, vais, je, vais, je, vais, je vais envoyer un message, comment le système, je peux nous dire ça. le message, vous voulez créer, peu importe ce que vous écrivez, je crois ça va marcher. Alors donc, je vais continuer. Lorsque je continue, la dernière étape consiste justement ici à encore envoyer un message de test. Donc, envoyer encore un message de test. Alors, donc, je vais dire comment fonctionne le système IO. Ce message... Normalement si je vais continuer, je dois être à la fin de la euh, de la dernière étape de, du point 2. Voilà donc, voyez que au niveau du point 2, il y a déjà un gros point vert qui est affiché là. Voilà donc la question que j'ai posée, voyez donc c'est une, une question de test. Ouais, donc ça, ça me répond. Je euh, pense que lorsque on me posera la question, c'est comme ça que ça va me répondre. Voilà, donc j'ai fini avec le point, le point 2. Donc je vais, avant de revenir sur le point 3, nous allons finir d'abord avec le point 1. Et le point, le, le point 1, ce qui est la première étape, nous allons finir, nous allons finir avec ça. Et justement, il y a pas aussi grand-chose à faire, nous allons continuer, Nous allons cliquer sur continuer. Et ici et nous avons déjà connecté notre notre, notre notre la page Facebook en question à SiteSpeak. Donc lorsque que je clique sur continuer Alors sur 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 la page, je crois il a trouvé d'autres pages, donc il me demande de sélectionner, donc je vais sélectionner la page qui me qui me convient et à ce niveau également aussi je vais justement continuer évidemment et je vais continuer alors donc c'est la dernière étape de de cette euh, euh, première phase. Voilà, donc c'est fini. Lorsque je, je me passe un peu, vous voyez qu'au niveau du point, au niveau de la première étape aussi, il y a déjà le, le gros point qui est déjà affiché. Donc, c'est ça qui signale la, la, la fin de la première étape. Alors, lorsque je vais maintenant sur la dernière étape le troisième point je vais évidemment continuer et faire la même chose et lorsque je, je continue lorsque je continue vous verrez que je vais évidemment à ce niveau ça va me demander de, de sélectionner toujours encore la page parce que ça, ça a retrouvé deux pages Facebook. Alors donc, si vous n'avez pas une page Facebook, il faut en créer parce que ça doit fonctionner, fonctionner forcément avec une page Facebook. Et lorsque je j'appuie je, sur continuer, donc ça me, me renvoie ici et directement sur la, la dernière étape. Voilà, donc. Et je crois qu'il s'est fait passer quelque chose. Alors je vais reprendre. Je vais, je vais, donc c'est ça. Vous voyez qu'au niveau de... de, de point 3 aussi, vous voyez que c'est activé. Donc il y a déjà le point, le gros point vert, vert qui est déjà activé au niveau des 3. Donc je vais maintenant publier. Voilà, donc c'est fini. Lorsque j'ai publié, vous voyez qu'en haut, à droite, il y a déjà un gros, le gros point vert qui est affiché, qui, qui me que notre chatbot est connecté à, à, à ma page Facebook. Et donc, lorsque on me pose une question via ma page Facebook maintenant, donc, et sur Messenger, via ma page Facebook, lorsqu'on me pose une question via ma, sur ma page Facebook, mon bot est à mesure de, de, de répondre directement et donc euh, avec des euh, informations très très pr précises sur sur euh, laquelle le bot a été formé et donc c'est un bot qui a été formé sur système io et donc si on, on lui pose une question par exemple sur euh, système io donc le bot est à mesure de répondre voyez oui, correctement le bot est à mesure de répondre il a déjà fait une vidéo montrant comment on peut interagir facilement avec eux et les chatbots sur les réseaux sociaux donc si vous n'avez pas encore construit cette vidéo et je mettrai évidemment aussi le lien dans la description donc c'est comme ça que ça va se passer donc lorsqu'on vous pose une question maintenant lorsque lorsque poser une question via ma page ça va vous répondre et je mettrai évidemment aussi le lien de la page dans la description pour que vous puissiez aller et tester vous posez aussi une question liée à, à système io pour voir si vous aurez la réponse est parfaite et correctement de la part de mon chatbot qui est automatiquement connecté à à, à système io et me répond directement ici voilà donc c'est la fin de cette vidéo. Je pense que cette vidéo t'a plu. Si tel est le cas, donne-moi un pouce bleu et abonne-toi abonne à la chaîne si ce n'est pas, si pas encore fait. Et sur si ce, on se dit à la prochaine.